この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Et c'est tout, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour jouer à JGTC All Japan Grand Touring Car Championship sur PlayStation. Alors, vous aurez reconnu dans l'introduction, possiblement, une voix qui vous est familière, notamment le chanteur et la chanteuse, puisque ce sont les mêmes chanteurs et chanteuses qui ont fait certains génériques de Initial D, à savoir le groupe MOVE, M-O-V-E, qui avait pas mal de succès d'ailleurs à l'époque. Pour ce genre de jeu. Alors c'est parti, on va faire un bouton start, on va découvrir le jeu ensemble. On a un mode championnat, on a un mode movie, mode option, mode 2 joueurs, time trial, one match et championship. On va aller voir directement les options. Alors on est toujours en jeu japonais, donc pour accepter c'est le petit rond. Et pour le retour arrière c'est la croix, ça a souvent été le cas puisque le rond en fait symbolise le bouton valider ou accepter ou ok en japonais. Donc on peut voir les paramètres de la carte mémoire, les records, les paramètres des contrôles, les réglages de l'écran, donc on peut se mettre en normal, wide ou full, on va laisser comme normal, je ne sais pas trop quoi ça va servir. Les contrôleurs on va laisser par défaut. Donc voilà. Donc accélération c'est X. Brake. Qui c'est carré donc c'est freiné. Ensuite R1 L1 c'est Shift-O left, le droit donc c'est les gâchettes pour augmenter ou baisser la vitesse. Rond Grum. Ah ça doit être pour revenir en arrière. Grand. Ah, j'arrive pas trop le donner juste un bol. Bon Grumon. Je sais plus c'est. Pour vue arrière je pense. Et on a du coup le triangle. On va faire back. On va revenir en arrière. Et je vous propose de commencer avec un mode time trial. Donc c'est parti. On va faire un joueur versus memory. Non, on va faire une single race. Tout simplement. Et vous pouvez le voir qu'on a énormément de licences pour un jeu du GTC. Et ça fait vraiment plaisir. Regardez-moi tous les modèles. On a donc la ZXL, la Skyline, on a la... alors faut que je m'a... Alors attendez, c'est quoi déjà Anima...
Animation, oh, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, on va pas tout lire parce qu'il y en a pour 15 jours. Puis en plus, je peux reconnaître tout à chaque fois. On a une Supra, on a encore une autre équipe avec la Supra, on a une autre Skyline avec la Calsonic. On a encore une. Je sais pas ce que c'est ça, on a une Supra aussi. Non, pas une Supra, une Skyline. On a une NSX avec le team EVEX. Une Porsche, on a aussi. Ça, c'est une Silvia avec le team STP. On a la Castrolu. Tom Supra. On a encore une autre Supra, une troisième même aussi. La Denso. On a la. Je crois que c'était une Lamborghini, ça il me semble. GTR, ça qu'on a dans Gran Turismo 3 d'ailleurs. La Reebok NSX. On a la Sarmo Supra. On a la Cour RSS. On a la Super GR X7. Donc ça c'est une RX7, vous aurez compris, une Mazda. On a une autre Silvia. Il me semble que c'est une Silvia. Et on a une. On dirait une MR. Non, c'est une NSX. Une NSX ou une MR2. MR2. Ouais, c'est une MR2. On va descendre. On a aussi les petites séries. Enfin, les séries un peu différentes, j'ai l'impression. On a la Porsche. On a une Ferrari. Une. Qu'est-ce que c'est que cette voiture? Ah, c'est pas une FTO ça? Si, c'est une FTO. On a une BMW, je pense que c'est une M3. Et une autre FTO. Ok. Et après, regardez, on a des voitures à débloquer. Alors, ce que je vous propose, on va prendre ces petites, les petites voitures pour commencer et on verra s'il y a des différences avec les autres. Je vais commencer par exemple avec. Je sais pas, peu importe, allez, une FTO. Alors, je vais prendre une Ferrari même. On a donc plusieurs circuits. Donc, on peut choisir le temps, s'il va faire beau, pluie ou beau ou pluie ou beau ou pluie. Donc, vous avez compris qu'il y a deux choix en fait. Et on a la course. Voilà, donc là on a le circuit du Mine, Island, on a le Sugo, donc licence officielle oblige, Suzuka, Fuji, Motegi, et voilà, on va faire Suzuka. Je vous explique pourquoi on fait Suzuka, ça permettra de comparer avec d'autres jeux, puisque c'est un circuit qu'on a plus ou moins fait souvent. On peut aller dans les settings, on peut régler suspension, ça c'est la suspension av avant et arrière, ça on a le. Plique. Alors plique, je sais pas ce que c'est. Plique. Attendez. Fu, ça devient pu, purée. Plequi, plequi, brequi, plequi, brequi, bruki. Bon, ok. ça, je sais pas ce que c'est. Ça doit être. Alors attendez, on va essayer de traduire, mais ça va être compliqué à chaque fois. Je sais pas ce que c'est. Et qui store. Ouais, des fois, des trucs que je sais pas ce que c'est. Bon, enfin, bon, vous pouvez régler plusieurs paramètres, vous aurez compris. Voilà, je pense que je n'ai pas besoin de traduire tout. On a aussi évidemment les caractéristiques à droite de la voiture, donc les paramètres pour pouvoir la conduite, l'accélération, le freinage, etc. On va voir si ça a un impact. Et on a aussi un poids, apparemment. Ça veut dire qu'on peut peut-être avoir des pénalités en poids sur la voiture pendant le championnat. Bon, on va laisser par défaut, on va faire accélérer. Et on peut même régler la boîte de. C'est quoi ça? Oh là là, j'arrive pas à savoir ce que vous voulez dire. Bon, désolé. Et ça non plus. Bon, on dirait la boîte de vitesse. Moi, c'est la boîte de vitesse. On va faire accepter. On va faire redémarrer. Et donc c'est parti. Alors j'ai beaucoup d'espérance en vue de ce qu'on a vu avant sur le jeu, mais est-ce que le jeu va être un jeu pure arcade ou être un jeu simulation? On va le découvrir ensemble. En tout cas, franchement, il donne envie ce jeu. Il donne envie ce jeu. Allez, c'est parti. On est donc avec 3 tours à faire. Donc on a là c'est une Silvia. Ah non, c'était une Silvia qu'on a choisie. Allez, c'est parti. Ouh là, alors déjà ça commence mal. On sent le. Je sens venir le type de maniement un petit peu à la Sega Touring Car. Bon, on va voir, on va voir. On va essayer de découvrir ensemble. Ok. Donc on est sur le circuit de Suzuka. Bon, on peut reconnaître un petit peu. On a une petite musique derrière. Bon, c'est vraiment dans le type move.
a quelques sponsors, Panasonic, Kibun, etc. Alors par contre, ça c'est totalement faux. Regardez-moi ce tracé. Alors le circuit de Suzuka comme ça, c'est totalement faux. Hein. Les virages sont bien présents. Par contre, on a un mur gigantesque sur les côtés. Ils n'ont pas trop fait d'efforts, c'est dommage. Après, en termes de maniement, alors ce que j'apprécie déjà, c'est que la voiture tourne pas d'un coup. Vous voyez, j'ai quand même pas mal de latence avant de pouvoir commencer mon virage, ce qui fait qu'on a une petite précision à ce niveau-là. Ça, c'est plutôt sympa. Par contre, voilà, les changements de caméra un peu comme ça, c'est bizarre. C'est une histoire d'habitude, je pense. Par contre, j'ai l'impression qu'elle a du mal à reprendre du régime quand elle est en première. Vous avez vu, elle a mis du temps à remonter. Alors, on va voir si on a une vue arrière, j'ai pas l'impression. Triangle, c'est pour changer de vue, voilà. Et donc, rond, ça doit être pour aller en arrière. Et j'ai 3 vues. Donc, j'ai une vue un peu éloignée, comme ça. Une vue embarquée, qu'on va peut-être garder d'ailleurs pour le moment. Elle est quand même plutôt souple cette vue, j'aime bien. Elle est très progressive, très fluide. Et du coup, on va pouvoir comparer avec une autre voiture, hein, voir ce que ça peut donner. On arrive dans le 130R, attention. Oh là là. Le 130R était ultra facile à prendre. Hein. Franchement, il n'y a aucune difficulté. On arrive à la chicane. Oula, j'ai ralenti. 40 km/h, attention. Vous avez vu comme elle est lente à accélérer. Puis d'un coup, paf, elle reprend sa vitesse. Et à partir de la deuxième, elle a beaucoup plus de rythme. 140 km/h. Je pense que les données data du jeu ont l'air correctes en termes de vitesse réelle d'accélération. Je sais pas quelles étaient les puissances des voitures du GT300. Parce que pour moi c'est des voitures du GT300 qu'on est en train de conduire. GT500, GT300. Donc ça doit être des voitures un peu plus... un petit peu plus lentes. En tout cas, le circuit, bon, vous avez compris, c'est un petit peu la déception. Il est fidèle dans son tracé, on va dire, dans ses formes. Par contre, au niveau des décors, c'est pas trop ça. Et puis on a un effet de brouillard devant qui est assez dégueulasse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer... Je vous propose de comparer, on va faire retire. On va comparer avec une autre voiture et après on choisira un temps différent. On prendra un temps un peu mouillé. Apparemment, on pourra avoir un temps avec de la pluie. Autant en profiter. Alors, j'ai droit à un écran noir. Est-ce que ça veut dire que le jeu a planté? Je sais pas. En tout cas, c'est assez bizarre. J'ai fait retire, j'ai rien du tout. Bon, en tous les cas, c'est pas grave. Hein. Je vous reprends juste après le petit chargement. Et donc voilà, on se retrouve tout de suite avec. On va prendre une autre voiture. On va prendre par exemple. Bon, la Supra, ça serait trop facile parce qu'on en prend dans beaucoup de jeux. On pourrait prendre par exemple. On avait quoi comme autre choix? Non, pas forcément celle-là. Et RX7. Bon, allez, pourquoi pas. Non, on va prendre la Rebel, pour une fois. On va donc changer. Non, on va garder le Drive pour le moment pour pouvoir comparer. Et on va prendre le circuit de Sugo. Allez, c'est parti. On va descendre et on va faire démarrer. Sportland Sugo. Et on va voir un petit peu le circuit. Alors, je connais pas spécialement beaucoup les circuits alternatifs japonais. Hein. Comme je suis plutôt des jeux de Formule 1 ou des jeux de rallye, j'ai pas tendance à rouler sur ce genre de circuit. Il me semble que ce Sugo il y est dans Gran Turismo 4 justement. Ah, on peut choisir le BGM. Alors pas trop longtemps, on n'a pas trop le choix. Et on va voir si le son est différent. Oh. Alors tout de suite on sent que la voiture en plus de patates, on a un petit effet de retour de flamme, bon pourquoi pas. Oula, par contre là effectivement la voiture a tendance à tourner beaucoup plus fort. Quand on ressort de la piste, on a les pneus qui sont un petit peu usés, du coup, enfin usés sales. Et pour le coup, quand on a l'accélération, c'est assez compliqué. Ouh là là, alors déjà, je sens qu'il va y avoir un petit problème. Ce qui va se ressentir avec des voitures beaucoup plus rapides, c'est le côté ultra directif. Ah, il est beaucoup plus présent. Hein. La direction est beaucoup plus, d'un seul coup, beaucoup plus vive. Ouais, ça tourne beaucoup plus. On va essayer de s'entraîner un petit peu, on va essayer de prendre en considération le maniement du jeu. Alors vous l'aurez compris, c'est très arcade hein, en termes de maniement quand même. Quand on va dans l'herbe, on glisse, ça c'est plutôt bien fait. Alors les retours de flamme sont magnifiques, franchement je sais pas combien de développeurs ils ont mis dessus. Mais c'est quand même plutôt joli. Après en termes de 3D, la voiture est quand même
Elle est assez dégueulasse quoi. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais je la trouve. Bah, en fait, vous pouvez comprendre le problème, c'est qu'il n'y a pas d'effet de lumière en fait sur la voiture. Et ça donne l'effet un petit peu carton de la voiture. Par contre, la texture est très propre, hein. Là, on a rien, y a rien à dire. On va essayer de se concentrer un petit peu et voir ce qu'on peut faire avec cette voiture. Ouais, elle tourne d'un coup, hein, donc c'est pas pratique. Oh, yeah. Oh là là, mon sang. Alors, je peux régler effectivement la maniabilité grâce un petit peu au setup. Donc, du coup, là, je suis un peu en train d'être mauvaise langue, mais on peut faire quelques réglages. On voit un petit peu l'effet de vitesse sur le sol. Regardez, quand on a passé les 200, on sent que tout commence à trembler. Et je crois qu'on peut le voir. Alors, observez bien la texture de la route. Je sais pas si c'est un effet de style. Attendez, je veux tester quelque chose. Regardez, on va voir si la texture monte quand on atteint une certaine vitesse. Parce que bizarrement, j'ai l'impression que la texture change. Non, bah apparemment non, c'est juste un effet. Oula, par contre, c'est pas évident. C'est pas évident à conduire. Alors, je précise que je débute dans le jeu, donc ne m'en tirez pas à rigueur. Je n'ai pas des heures derrière d'entraînement par rapport à ça. On va voir au niveau des textures si ça change quelque chose. Non, j'ai pas l'impression. Par contre, les textures du sol sont super propres, hein. Y a rien à dire, les textures sont nickel. On est sur PlayStation, je rappelle. Bah, ils ont fait un petit effort. Bon, évidemment, c'est très pixelisé. Mais ça rend plutôt bien. Si j'arrive à sortir de là, ça sera beaucoup mieux. On va voir la texture du sol en bas. Est-ce que ça change avec la vitesse? Non, beaucoup de différence. Par contre, on ressent énormément l'effet de vitesse sur le bitume. Hein. Ça, c'est quand même bien fait. J'ai les pneus avant qui se sont bloqués d'ailleurs au freinage. On va changer de vue, on va prendre cette vue-là. Peut-être que ce sera plus simple à prendre en main. Alors, vous aurez peut-être entendu aussi, même si c'est un petit peu masqué, mais on va faire start. Ah non, on peut pas changer les paramètres. Même si c'est un petit peu masqué par la musique, remarquez aussi que le bruit de la voiture a changé. La NSX a un bruit différent de la voiture qu'on a pris avant. D'ailleurs, je vais me taire un tout petit peu. Vous laissez, entre parenthèses, profiter. Ça fait le bruit d'une voiture radiocommandée quand même, hein. Je sais pas pour vous, mais moi c'est l'impression que j'en tire. C'est ce bruit un petit peu élect... Enfin, je sais pas, un petit peu électrique. C'est assez bizarre. Vous voyez, des fois, là par exemple, je suis bloqué. La deuxième, elle a du mal à passer, c'est assez bizarre. Évidemment, ce virage, j'ai du mal à le prendre. Par contre, j'ai l'impression que c'est plus précis quand on est dans cette vue. Enfin, j'ai l'impression que la voiture réagit beaucoup moins vite en vue extérieure. Du coup, c'est peut-être la meilleure vue à prendre quand on joue à ce jeu. On va faire un petit tour. Voilà, je sais pas ce que c'est le bruit, on dirait le bruit de la musique, mais on sait pas trop. Alors, si je pisse sur celle-là, il se passe rien. Au cas où. Préhant, vous aurez compris, c'est pour changer de vue. Après, ça reste du maniement à la croix, carré et enfin, carré, croix et touche directionnelle. Changer de vue. Alors, j'ai pas vu de dommages sur la voiture. Je sais pas ce qui se passe par exemple. On va faire un petit test. Hein. On va essayer ça. On va faire une marche arrière. Si je peux. Et j'ai pas l'impression. Je peux pas faire de marche arrière. C'est-à-dire que si je change la vitesse, il se passe rien du tout. Et bah non, je sais pas du tout. Bon, on va redémarrer. On va partir à la voiture. Un petit peu en tête à queue. On va faire start et on va faire retire. En espérant que ça bloque pas cette fois-ci, sinon bah écoutez, on se retrouve juste après. Même si je pense que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Bon, nous en tirez pas à rigueur aussi, on se retrouve pour la suite. Et donc je vous propose de tester le mode One Match, quitte à changer de véhicule. On va prendre bah, pourquoi pas peut-être pas une Civia, on va essayer de faire un peu tous les modèles. On va prendre une Cermo Supra. Je crois que c'est une Fairlady, mais c'est une Cermo Supra. C'était quoi ça la co... C'est quoi comme voiture ça? Bon, on va prendre une Supra, histoire de. On va faire entrer. Donc il y aura 3 tours. On va changer le temps. On va mettre justement de la pluie. Et on va prendre le circuit du. Bah, du mine, pourquoi pas. Mine, mine, je sais pas comment miner.
pas trop comment il le prononce. On va faire démarrer. Et du coup, voilà, en mode course, on va voir ce que ça donne. Alors, s'il y a des mines sur le circuit, m'étonnez qu'il n'y ait pas la F1 que ça venait dessus. Hein. Le chargement avec le petit grid, ça c'était typique sur les circuits, enfin, en tout cas japonais, c'est que sur la grille de départ, vous aviez un énorme affichage au-dessus des voitures avec ce genre d'affichage. Donc ils ont bien repris ça. Et là voilà, il pleut, on part 8ème. C'est l'occasion pour nous de savoir combien de voitures on a en même temps durant la course. Allez, c'est parti, on a de la pluie et on a une jolie Supra, on va changer de jus. Et oulala, oulala, ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Oh oh oh. Ah, ça glisse copieusement. Hein. Attendez, on va accélérer avec cet effet de tremblement légèrement abusif. On va voir si l'IA se débrouille bien d'ailleurs. L'IA qui a l'air au ralenti. Regardez-moi ça. Oh, allez. Ah non, mais l'IA elle est complètement aux fraises, hein. C'est quoi ce délire? Regardez, hein. J'essaie d'avancer. Alors peut-être que c'est le tour de chauffe. Non, non, ben non, même pas. C'est le premier tour. Bon, ben je vais toutes les dépasser alors. Oh mon dieu, regardez-moi ça. Les voitures, elles sont ralenties. Par contre, effectivement, sous la pluie, on n'a aucun grip. La voiture glisse de partout. Oh là là, par contre, c'est vraiment impossible à contrôler avec cette vue. La vue extérieure, elle est assez horrible à ce niveau-là. Oh, allez, on fait même du drift un petit peu, regardez-moi ça. On va essayer de prendre des virages convenablement. Ah, c'est pas évident. On va essayer de remonter sur eux. Par contre, j'ai l'impression que ça sert pas du tout. J'aime le sentiment que... Oh là là, là, je suis parti d'un coup. J'aime le sentiment qu'il faut appuyer très fort, en fait, sur le bouton pour que ça avance. C'est un peu particulier comme maniement, là. J'aurais peut-être pas dû mettre la pluie. Bon, en tout cas, vous avez vu que la pluie, c'était assez spécifique, assez bizarre. On va essayer de faire aller tranquillement. Je vais freiner. Regarde, là j'accélère à fond. Hein. D'accord. Vous pouvez voir que j'avance absolument pas. Je fais 30 km/h. Il y a l'impression qu'il y a un délai à l'accélération en fait quand on bouge la. Enfin quand on appuie sur l'accélérateur. C'est très bizarre. Regarde, là par exemple j'augmente en régime, puis après avoir augmenté en régime, j'arrive enfin à augmenter ma vitesse. C'est très 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 bizarre. En tout cas, on est 5ème, mais je vous avoue que ça fait pas du tout. Ça fait très bizarre, hein. Passons à avoir une course. Hein. Le contour, il a l'air limite buggé, quoi. C'est assez étonnant. On changera tout à l'heure, on enlèvera la pluie. Parce que là, vraiment, c'est dégueulasse, quoi. Enfin, c'est très bizarre comme course. Là, je suis parti en tête à queue. Écoutez, on va faire retire. Voilà, et on va essayer de faire ça sous le soleil. Et regardez, on a un petit replay. Bon, on a fini dernier parce qu'on s'est retiré. Et vous remarquerez qu'il n'y a que 8 voitures. Et ça, c'est un petit peu dommage parce qu'on a l'occasion d'avoir un jeu avec tout championnat GGTC. Alors, j'imagine qu'il y a des restrictions techniques quand même. Hein. Je pense que la console va avoir du mal à gérer. 30 voitures, mais au moins allez un 16 quoi, 10 entre 10 et 16, au moins 16. Franchement 16 ça aurait été pas mal. Après j'aurais dit ils auraient bien fait d'autres Formule 1 avec 22 voitures, donc pourquoi pas avoir 26. Donc ça c'est aussi une petite déception. 10 voitures d'un coup c'est pas spécialement intéressant. Enfin 8, encore pire. Bon après vous dites il y a Gran Turismo hein, derrière qui fait encore moins bien avec 6 voitures. Mais Gran Turismo au moins est beaucoup plus joli. Là c'est assez moyen. Bon, je pense que le jeu va encore une fois se bloquer. On se retrouve. Et pour le coup, on va faire one match encore. On va faire la même chose. Par contre, on va pas mettre la pluie hein, cette fois-ci. On va arrêter de déconner. Qu'est-ce qu'on aurait pas pris? On a pris la Sylvia finalement tout à l'heure. On va prendre. Non, on n'a pas pris Skyline. Donc. On va prendre une GTR. Tu vas prendre celle-là. Alors on va garder ce paramètre là, on va faire démarrer. Et on va garder le même circuit pour voir un petit peu ce que ça donne. Sans avoir la pluie, j'espère que ça sera plus jouable surtout. Parce que c'était vraiment vraiment très bizarre hein, sous la pluie.
Je vous conseille d'essayer ce jeu, évidemment. Après, bon. Vous avez compris, on est très loin d'avoir une note très très bonne à la fin. Même s'il y a eu quelques efforts faits. Après Get My Love en. Après Get My Love en musique, je sais pas, je connais pas. Je connais pas mal de musique du groupe Move d'ailleurs, au passage. Mais pas tant que ça, quoi. Et voilà, je suis parti à la faute. On va juste, voilà, regarder un petit peu la voiture. Profitez-en, ça va pas durer parce qu'on va changer de vue après. C'est moi ou les voitures sont ralenties dans ce jeu, c'est impressionnant, quoi. Ah, le maniement est très très particulier. Vraiment, c'est vraiment un coup à prendre. J'arrive pas à trouver la logique en fait dans ce maniement. J'ai l'impression que voilà, le freinage est très très long, mais d'un coup on s'arrête aussi, alors c'est difficile à expliquer. Faut vraiment. Je sais pas comment je pourrais faire pour vous expliquer ça. En gros, je freine, on perd de la vitesse de manière très très légère au début, et vraiment au milieu du freinage, d'un coup on s'arrête. C'est-à-dire qu'il faut vraiment doser sur la fin pour pas stopper net sa voiture, surtout qu'en plus vous avez compris que la reprise était très très lente quand on est à basse vitesse avec ces véhicules. Voilà, en plus quand on part dans l'herbe, c'est encore pire. On a 4 tours à faire, d'ailleurs cette fois-ci c'est pas trop tôt. Le fait d'avoir mis une piste sèche, ils ont dû se dire bon bah là on va aller un peu plus vite donc on va pouvoir faire un tour de plus. Oh la vache, je suis parti encore en tête à queue. Alors la chose dommage, pas de vue arrière, ça aurait été intéressant d'avoir une vue arrière, ou avoir au moins un rétroviseur, savoir où est l'IA derrière nous. Bon là on va à fond. Ok. L'IA a l'air complètement aux fraises. Hein. Vraiment. Hein. J'ai pas vu de paramètres de difficulté en plus. On finira sur le mode championnat bien sûr, pour voir un peu ce que ça donne. Mais ça donne pas spécialement envie quand on voit les courses habituelles. Par contre, elle a beau être aux fraises, je suis nul. Hein. Mais alors vraiment quoi, regardez-moi ça. C'est scandaleux. Je vais la repasser, on a l'impression qu'elle est à 40 km/h. Voilà, c'est passé par là, là j'ai ralenti. Allez, on y croit, on va essayer de faire un tour correct, je vais essayer de bien freiner, pas partir tout droit. Voilà. Oh, la limite, ouais, c'est bon, c'est passé. Alors cet effet de tremblement continue aussi, ça donne un petit effet. C'est sympa, mais des fois c'est un peu abusif, c'est dommage. Alors j'essaie de conserver ma vitesse, on va réaccélérer. Voilà, c'est une histoire d'habitude, vous avez compris. Hein. Même si bon, je trouve le maniement pas très cohérent. On va dire que ça peut aller, ça passe. Par contre, je suis super loin, non? J'ai beau être sixième. Regardez où se trouve le leader. Il a déjà fait la ligne droite, il a déjà fait le deuxième virage. Je pense que les IA, en fait, elles sont peut-être très fortes pour les premières voitures. Par contre, les voitures entre la 6, 7, 8e place sont vraiment très très nulles. À moins que ce soit des groupes GT300, peut-être. J'ai pas fait trop gaffe à ça, mais c'est peut-être à cause de ça en fait. Je suis en train de rattraper d'ailleurs une des voitures. Ah bah non, là par exemple, je pensais que ça passait. Eh ben non, et en plus regardez, j'accélère, je suis à fond hein. Et là d'un coup elle reprend sa vitesse. Et je vais peut-être un petit peu vous laisser profiter du jeu.
Enfin, je pense que limite à choisir quitte à freiner, autant freiner trop fort et se retrouver à l'arrêt plutôt que de louper son freinage. Hein. C'est beaucoup plus pénalisant. Allez, on va arriver dans le dernier tour. On va finir la course, hein. Histoire de quand même. Mais au moins fini une séance pendant cette vidéo. Et bah la Supra, voilà, au revoir la Supra. Castrol Tom Supra. Allez, on est reparti devant, regardez, ça a repris l'accélération. Ouais, d'un coup, ça y est, il se réveille quoi. Bah tiens, je l'ai rattrapé d'un coup, maintenant elle accélère. Ok, bon bah écoute, fais-toi plaisir. Oh, le vent qu'elle m'a mis. Et voilà, du coup je suis parti à la faute, mais ça va, j'ai pas trop perdu de temps. Par contre lui, il a vraiment repris de l'avance. Ça me fait penser un petit peu à des jeux bah, comme Sega Rally où finalement les voitures devant c'est les plus difficiles à battre puisque c'est celles qui ont les chronos, les meilleurs chronos. Oh là, je me traîne. Je vais finir 6ème, hein, de toute façon vous aurez compris. Alors vous avez vu, j'ai dépassé la Supra d'un coup, et puis une fois qu'elle a été dépassée, elle a fait non mais c'est bon, en fait je vais accélérer. Et à la fin, bah, elle nous a mis avant. Ah, j'ai freiné trop fort par exemple ici. Du coup j'ai perdu énormément de temps. Et on va du coup terminer en 6ème position. On va rentrer au stand. Je veux voir ce qui se passe. Eh ben on peut pas. Et du coup je sais pas comment on met la vitesse arrière, donc bah on est bloqué. Comment on passe les vitesses? Je sais pas. Non plus. Bon bah écoutez, j'ai terminé dernier, c'est dommage. On va faire le tour. On va faire le tour. Ah bah j'ai terminé bon dernier. J'arrive pas à passer la marche arrière. Donc j'ai essayé tous les boutons. Attendez, je vais quand même voir si c'est pas une touche LR ou etc. Non, reste appuyé longtemps, ça fait rien. Arrière non plus avec ça, ça fait que dalle. Bon. Écoutez, on va faire quitter. Et on va du coup, je pense qu'on va avoir un droit à un replay. On va avoir du coup start. On va essayer une petite GT300 en championnat, voir ce que ça peut donner. Et puis on se laissera là-dessus. Voilà, donc du coup, faut apprendre ça. Ah bah regardez, GT500, GT300. Au moins on a la réponse. On va prendre un new game en GT300. Oh, on a un mode real. Attends, on va prendre le mode réel. Je prends le mode réel. ジェニオン モータースポーツ先進国でも見ることができません。だからこそファンの皆様方にはいろいろな形でGTレースを楽しんでいただこうと思っております。今回このゲームで初めてGTレースを知った方は、ぜひ一度サーキットに足を運んでみてください。そしてすでに観戦された方々、ドライバーになりきってあの興奮と感動を思い起こしてみてください。 Bon, elle nous explique un petit peu les voitures, etc. Que c'est un supercar, nanana. Bon, après, je vais tout gombrer. Et du coup, on a droit qu'à 4 caractères. Bon, c'est déjà mieux que 3, j'ai envie de dire. Et on va faire end. Voilà. Et du coup, on va choisir bah, entre 3 voitures. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On pourrait prendre une Ferrari, hein, ça pourrait être intéressant, même une BMW. J'entends très bien la Ferrari, voir comment ils l'ont modélisée, ou la BM. Voir la Porsche. Ah, il y a trop de choix. Allez, on va prendre la Ferrari. Histoire 2. Alors, on a les licences aussi pilotes, vous aurez compris. Là, on n'a qu'une team, mais j'ai l'impression qu'on peut prendre des fois plusieurs teams quand on a la même voiture. Voilà, et on va commencer directement Suzuka. Et on va du coup
démarrer. On a le ranking, hein, vous pouvez voir le classement. Donc on sera que 8. Malheureusement, je pensais qu'en mode réel, on aurait peut-être plus de voitures. Mais c'est pas le cas. Du coup, on va se contenter de ça. Loading! Bah ma foi, elle m'a l'air assez correctement modélisée. Bon, après, pour l'époque, quoi. Donc là, c'est les qualifications. Il reste 15 minutes. Et je trouve que les GT300 sont beaucoup plus sympas à piloter, mine de rien. Elles sont beaucoup plus progressives. Et le bruit a changé. Donc j'ai l'impression que chaque voiture a son propre effet sonore, donc ça c'est une bonne nouvelle. Après, ils sont bien faits ou pas, c'est à vous d'en décider. Moi je vous dirais que pas spécialement. Mais il y a pire, il y a pire. Limite on se croirait dans la 355 sur ce Dreamcast là, la 355. Ça hein. Là on va arriver dans le pont, sous le pont. Voilà. Alors, on a un spotter qui me dit des trucs, par contre, j'aurais pas le temps de le dire, hein. Et je pense que je comprenais pas ce qu'il va me dire. Faudrait que je fasse pause à chaque fois. Alors. Ouais, elles sont plus sympas, les GT300, je sais pas, elles ont un côté progressive. Un peu plus compréhensible. Ouais, attention au. Vous avez vu là par exemple, je suis en troisième. Du coup, la voiture elle est pas retombée dans les bouts de vide dans ses vitesses et elle a une accélération pourrie. Je pensais qu'elle serait retombée automatiquement en seconde, mais pas du tout. Bon, on va faire un tour histoire d'eux et après on lancera la course, pardon. Ah oui, il va nous expliquer les pits évidemment. Bon, on va aller tout droit, hein, c'est pas trop grave. On a la petite roue très connue de Suzuka d'ailleurs. Sinon, on sait pas du tout dans quel circuit on aurait été, c'est dommage. Et c'est parti pour un premier tour chronométré. On va donc s'élancer. Allez, dans les S. N'empêche, les S, ça doit tellement bouffer les gommes en vrai, quoi. À chaque fois, on est en déport sur chaque virage, un coup à droite, un coup à gauche. Et là, j'ai perdu toute ma reprise. Elle a pas de reprise hein. Quand on est en première, regardez-moi ça. C'est scandaleux. Alors on voit que le record est à 2 minutes 05. Je sais pas si c'est pour le GT300 ou le GT500. Il y a un peu de musique aussi. D'ailleurs pendant cette séance de qualification. Enfin, je dis qualification, mais ça se trouve c'est juste les essais. Mais je pense pas quand même qu'il y ait aussi cette notion d'essai dans le jeu. On a quand même mis 44, bon c'est sûr qu'on fera pas le record. Ah, 130 Hz, j'ai pu le prendre à fond. Aucun problème. Alors, on va aller à fond. On va couper carrément la chicane, vu qu'on a perdu du temps. On va voir ce que ça donne en chrono. On a fait 2016. C'est marrant le toum, parce que c'est un petit peu le bruit qu'on a dans les avions quand on vous demande d'attacher la ceinture. On va faire retire. Alors j'espère que je vais pouvoir passer à la suite par contre. On va voir que le jeu joue tout seul. Alors est-ce que je vais pouvoir passer à la suite? J'espère que oui. Ouais c'est bon. Il nous montre le replay. Ah c'est là où j'ai peur. Ils nous ont montré un classement avec un ton. Ouais c'est bon. Pitworks. Enfin j'espère. J'espère qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout. Et non, j'ai l'impression que ça bloque.
Bon, bah écoutez, tant pis, j'aurais aimé vous montrer un peu plus, mais malheureusement, le jeu n'a pas l'air d'avoir envie aujourd'hui de nous en donner plus. Bon, en tous les cas, pour faire un petit résumé du jeu, le jeu en soi est très intéressant dans le fait que c'est un des rares qui reprend la licence du GTA 500, GTA 300 vraiment entièrement. Mais au niveau du maniement, c'est pas trop ça. L'IA a l'air d'être assez particulière aussi. C'est. Ouais, je sais pas, je trouve qu'en fait le côté technique du jeu est un petit peu absent, mais les licences ils sont présentes. Alors j'ai pas assez joué, mais je pense que je lui mets pas plus qu'un 11 ou 12 sur 20. Voilà. Simplement. En plus, le jeu est totalement en japonais. On peut jouer en deux joueurs d'ailleurs, au passage. Vraiment, le mode movie. Je sais pas ce qu'on a en movie. Ok, donc là on a vu une vidéo. On va voir la vidéo 112. Bon, ah, c'est bon. Ah bah c'est l'introduction. Ok. Ah bah on en a que deux, c'est dommage. Bon, écoutez, au moins vous aurez vu ce qu'il y avait en vidéo dans le jeu. Peut-être qu'on peut en débloquer au fur et à mesure du jeu. On verra bien. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu en tous les cas. C'était JGTC All Japan Grand Touring Car Championship sur PlayStation. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!